Yo, ça m'a fait plaisir de t'embarquer dans ma bagnole. T'es comme un frère pour moi, man. On se revoit plus tard. Yo, tu fermes ta gueule. Ouais, il est génial, ce type. J'espère que ça t'a pas trop dérangé que j'embarque une autostoppeur. Ah non, c'est bon. J'aimais ça. C'est cool. Hey, je me demandais, étant donné que je t'ai sauvé des gros bras dans les bars, si je pouvais rentrer chez toi, qu'on pourrait prendre un café, ou peut-être plus encore. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, on pourrait le faire dans ta chambre, on pourrait le faire dans la salle à manger, ou peut-être dans la salle de bain si tu le désires. Ok, mais ça commence à être louche en tabarnak. Oh, mais qu'est-ce qui est louche? Tu fais des allusions assez bizarres. Qu'est-ce que tu fais là? Deux petites secondes, il faut que je te montre un truc que je viens d'apprendre. C'est juste trop cool. La plupart du monde, quand je leur dis que je peux faire des choses dans leur salle de bain ou dans leur cuisine, ils s'imaginent le pire. Eh bien, moi, en fait, c'est... Oh! Oh, putain! C'est drôle, je voyais les taches jaunâtres un peu partout. C'est ce que je te ferai. Changer les ampoules dans toute ta maison, c'est ce que t'appelles louche. Je suis pas un de ces mecs qui veut baiser tout ce qui bouge. Je veux quand même pas que tu rentres. Ouais. Je suis toute mélangée. Je te défends contre les gros bras. Et toi, tu veux? Tu veux même pas que je rentre à l'intérieur pour voir te mater ta tronche. Et je fais des excellentes pâtes. Ah, et j'oubliais pour l'ampoule. C'est 4 à 80. C'est pas des blagues, je veux que tu me rembourses. C'est ça, salope, va. Putain de merde. Yo, moi c'est Mario, mon nom ira du tabou. Tellement que les filles se battent dans la boue. Faut déterminer c'est qui croit être debout. Les filles se déchirent pour avoir un dick de 40 pouces.